Monsieur, toi, ça va? Moi? Oui. Non, regarde-moi. Tu as une étoile. Et c'est à cause de cette étoile-là. Ta mère est là? Ma mère, elle est là. Elle doit venir. Non, et qu'elle écoute ce que j'ai dit. On va l'aider. Mais celui qui a fait que ton fils a perdu beaucoup de choraison, c'est son père. C'est vrai qu'il ne vit pas, mais il a vendu la chance de ce monsieur. Ton fils est une étoile. Il a vendu ça. Il a donné ça aux esprits de Python. La chance. Donc il vit sans son esprit. Pardon? Je chantais de parler à votre maman. Ah ok. Sauf ça que là, les blancs ils disent dépression. Oui, oui. Ok. Mais le problème, il est spirituel. Sauf ça que même les médicaments ne peuvent pas résoudre le problème. Parce qu'il est plus spirituel que physique. Et c'est là son esprit, là, mais quelque part. Et dans une tombe. Dieu peut le sauver. Amen. Lui seul, il peut construire un village. La richesse que Dieu l'a donnée pour venir sur cette terre, il peut construire tout un village. C'est ce que ton père a récupéré. Tu vas le délivrer. Vous croyez à votre délivrance? Vous croyez que Dieu peut vous délivrer? Il a déjà fait beaucoup. Répondez à ma question. Oui. Merci. Je sais qu'il t'accordera la délivrance. Amen. Qui va le délivrer? Amen. Je t'entends étudier sa statue, sa pose, en fait, son état. Comment Dieu, est-ce que Dieu était capable de le faire? Est-ce que je reçois le OK? Dieu va le délivrer. Ici à Divo, on a reçu les plus grands. On a eu des personnes qui sont atteintes d'une grande folie, des folies exagérées, des folies les plus terribles qui ont été miraculeusement guéries dans ce site. Des personnes qui se mettaient nues, qui mangeaient leurs excréments, qui ont été miraculeusement guéries. Le seul problème, il fallait qu'il y ait la conviction. Les gens disent, le prophète, il nous voit. Vous savez, on n'agit pas parce qu'on est prophète. On agit parce qu'on a reçu des directives de Dieu. C'est quand Dieu nous convainc. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il faut que Dieu me convainque d'abord pour dire qu'il est capable de passer par moi pour le guérir. Amen. Parce que le prophète, je ne suis pas le seul homme de Dieu. Mais si je suis convaincu, frère, c'est fini. Il va guérir. Amen. La sorcellerie. Je confirme. Comment elle est arrivée ici? Moi, elle n'en veut. Pourquoi? Elle va à l'école, ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Elle ne fréquente pas bien. Elle est qui pour toi? C'est moi, elle m'a pas vu. Tu l'as mis à monde. Elle ne fait pas qu'à bien comment? Hein? Elle ne fréquente pas comment? Bien comment? Durant toute l'année, son enfant est trop par rapport à l'école. Elle fait. Hmm? Elle va, se donner, elle ne va pas. Elle est absente. Ils lui ont déjà donné de la sorcellerie. Mais Dieu peut la délivrer. Ici, nous ne sommes pas un centre où on maltraite les gens. C'est le centre le plus sûr au monde où on peut être délivré de la sorcellerie. Moi, ce n'est pas les yeux que je regarde. Quand je tourne comme ça, j'ai un appareil spirituel dans ma tête. C'est un détecteur. Et quand ça clignote plusieurs fois, je suis obligé de parler. Tu viens délivrer? Hein? Non, c'est pas voilà. Je ne suis pas en train de t'humilier, mais je te dis quelque chose et on peut t'aider. On peut te délivrer si tu veux bien. Tu veux délivrer? Qu'est-ce que tu as? Hein? Non, tu sais pas, ça c'est ce que tu as dit aux gens. Tu es conscient, moi je sais.
C'est une sorcellerie consciente. Si ce n'était pas conscient, il n'allait pas te dire. Moi, je n'irai pas dans les yeux pour dire, mais j'ai un don. Et ce don ne m'a jamais trompé. Je dis ça toujours aux gens, ça ne me trompe jamais. Je ne regarde pas le visage de quelqu'un pour dire tu es sorcier. Et c'est quelque chose qui se manifeste à moi. Quand ça me donne le ok de parler, je parle. Tu vas monter, descendre, tu es dedans. On est prêt à t'aider. Les gens sont venus, hein. Pourquoi c'est sur ton cas, je me penche. C'est parce que Dieu veut que je te sauve. Et la sorcellerie, après tes délivrances, ça se désire. Tu ne veux pas, on te laisse dans ta situation. On te mira, on te dit, voici ce que tu as. Maintenant, si toi tu penses que ça, ce que tu fais là, ça te plaît, ok. On te laisse dans ta situation. Sinon, ce n'est pas parce que tu es... Voici les vrais sorciers. Pourquoi je ne suis pas avec eux? Mais je vais te sauver d'une situation. J'ai reçu cette conviction de la part du Seigneur. Je suis en train de parler parce que je suis inspiré par Dieu pour te le dire. Elle fait beaucoup de choses, beaucoup de vilaines choses. Ils lui ont donné même un sexe masculin. Elle couche avec ses camarades. Elle fait beaucoup de choses, tout ça. Elle a la capacité de gâter l'argent et la chance des gens. Elle a ce démon de la sorcellerie. Ça vous va ici, le quartier? Ça va? Vous parlez pas, ça va pas? Hein? Ça va. Comment? Ça va. Ah, vous croyez que ça va chez vous? Ça va, papa. Hmm? Ça va, papa. Ça va chez vous? Ça va. Qu'est-ce qui va? Mon père, ça va. Ah! Ça va pas beaucoup, dame. Est-ce que ça va? Et vous, ça va chez vous? Donc, on peut vous laisser partir. Puisque ça va. Non, on règle les problèmes de ceux dont ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas quoi? Qu'est-ce que vous avez? La sorcellerie. Vous avez la sorcellerie? C'est pas nous, hein? C'est vous qui avez dit. Hein? Vous êtes d'accord que vous avez la sorcellerie? Vous l'avez dit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on me délivre. On vous délivre. Comment? Vous savez que pour délivrer quelqu'un de la sorcellerie, il faut que la personne parle. Oui, je veux parler. Vous êtes prêt à parler? Mettez-vous là, donc. Mettez-vous là. Yes. On ne vous a pas forcé, hein? Hein? Non, non, non. Voilà. Ici, on ne force pas quelqu'un. On ne vous a pas forcé. C'est vous qui avez dit que vous allez parler, n'est-ce pas? Allez-y. Vous savez que parler, ça vous délivre vous-même, c'est ça, non? Vous êtes convaincu qu'en parlant, ça peut vous délivrer? Oui. Hein? Oui, oui. Ok. Donc, la balle est dans ton camp. Ça veut dire que si tu ne parles pas, tu ne peux pas être délivré. Tu comprends? Vous êtes convaincu qu'en parlant, ça peut vous délivrer? Oui, papa. Ok, allez-y. J'ai été attaqué. Monsieur, vous êtes sorcier, c'est ça? Est-ce qu'on attaque un sorcier? C'est un sorcier qui attaque. Vous êtes sorcier ou vous n'êtes pas sorcier? Je suis sorcier. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on me délivre. De quoi? De la sorcellerie. De la sorcellerie. Oui. Donc, ça veut dire que vous devez dire ce que vous avez fait. C'est ça. Ce sont des aveux. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre sorcellerie? J'ai pris mes 5 frères. Hein? Je les ai tués. Vous avez tué vos 5 frères? Vous pouvez les énumérer? Si. Allez-y. Il y a Kwame Mena. Elle sort pourquoi votre fille là? C'est ma fille. Allez-y. Allez-y. Kwame Mena. Hein? Aquo Pamphile. Hein? Aquo Pamphile. Quoi? Aquo Pamphile. Attends, reprenez. Kwame Mena. Kwame Mena, il faisait quoi? Il est planteur. Vous l'avez tué? Comment vous l'avez tué? On a eu un peu de discussion et puis il y a eu ça là. Non. Comment vous l'avez tué? Il y a eu quoi? Ça c'est la raison. Comment, la manière dont vous l'avez tué? Pas la raison qui a fait que vous l'avez tué. La manière où vous avez procédé pour le tuer. Il a été malade. Oh. Vous m'êtes fatigué. Tu as fait quoi? Puis il est mort. Il a eu la variole. Il a eu ça? Oui. Ça veut dire quoi? Vous venez de dire que vous avez tué quelqu'un.
Comment vous l'avez tué? C'est comme si on entend de vous forcer. On entend de vous forcer ou pas? On vous force? Non. Hein? Non. On vous force? Non. Donc vous voulez me faire perdre le temps, c'est ça? Non. Mais si, si, c'est ce que ça veut dire. Si on ne te force pas, donc il faut parler. C'est toi qui as dit son nom, n'est-ce pas? Oui. Si vous ne parlez pas aujourd'hui, vous priez, vous cliquez, claque, vous partez chez vous. N'est-ce pas? C'est pas moi qui vous ai fait venir ici. Il n'y a pas. Ok. Si vous ne parlez pas, vous, je suis obligé de vous mettre dehors aujourd'hui. Parce qu'ici, on ne force personne. C'est par amour, on a envie de t'aider. Sinon, au Cameroun, il y a longtemps, t'as brûlé. Tu es sorti il y a longtemps, on a mis bref sur toi. Nous, on entend de t'aider pour prier, et pour te délivrer, et pour t'insérer dans ta famille. Oui, tu as tué combien de personnes? Six. Hein? Six. Six personnes. Oui. Ok, donc explique. Comment tu tues les gens? Comment tu tues généralement les gens? La nuit, mm-hmm. je vais passer par le toit. Tu passes par le toit? Oui. Comment? Par le toit. Comment tu fais pour passer par le toit? Je grimpe. Tu grimpes? Je me transforme. En quoi? En chat. En chat? Mm. Tu fais comment pour te transformer en chat? Tu dis quoi? Parce que toi, t'es un être humain. Comment tu arrives à te transformer en chat? Qu'est-ce que tu dis? Puis tu dénonces chien chat. Mais quand je me bouscule, puis... Tu te bouscules. Fais un exemple, voir. C'est toi qui as dit te bousculer. Hein? Quand je me bouscule. Comment? Quand je me remue. Ouais, remuez vous voir. Hein? Je me remue. Allez-y, voir. Vous dansez, bâchez, que vous bien. Comment tu fais? Tu dis rien. Non, je parle pas. Ouais. Ah, tu parles pas, tu viens chez un coup. Quand tu te remets, qu'est-ce que tu dis? Je dis rien, je me transforme. Eh non, essayez de voir comment vous faites. À quelle heure de la nuit? Vers minuit. Là. Vers minuit. Vous faites comme ça et vous devenez un chat. Et qu'est-ce que vous faites après? Après avoir devenu le chat, vous faites quoi? Je passe par le mur, la toiture. La toiture. Oui. Vous grimpez sur la toiture. Et quand vous descendez, vous faites quoi? Je saute sur lui. Vous sautez sur la victime. Il est couché, vous sautez sur lui. Oui. Et puis tu fais quoi? Il meurt pas. Non, avant de mourir, qu'est-ce que tu fais d'abord? Je prends son cou. Hein? Son cou. Vous l'attrapez par le cou. Mmh. Et vous le tuez. Donc vous avez tué combien de personnes comme ça? 6 personnes, vous avez dit? Oui. Vous pouvez donner les noms? Allez, Wamena. Mm-hmm. Qui était pour vous? Mon cousin. Ok. La deuxième personne? Akwako Pamphile. Hein? Akwako Pamphile. Vous avez tué la même procédure, vous êtes, oui, la même, oui, manière. Oui. Ok, la troisième personne? Kwao. Il est Kwao. Oui. De la même manière, transformé en chat, la toiture, vous l'avez trouvé, vous l'avez tué. Oui. Ça c'est 4, la 5e personne. À 4 personnes maintenant. C'est Kayena. Hein? C'est Kayena. Comment l'avez tué? La même chose. Même chose. La 5e personne maintenant. Une fille, après, dans une... Davienne, là, tu connais pas son nom? Kwago. Hum? Kwago. Et puis... À part tuer les gens, vous avez détruit la vie de qui? La vie de qui? Hum. Ça, je l'ai pas fait. Oh, le sorcier détruit la vie des gens. Le sorcier fait les deux. Si tu tues, ce qui te détruit la vie des gens. C'est le principe de la sorcellerie. Tu ne peux pas faire un et laisser l'autre. Ce n'est pas possible. C'est tuer quelqu'un grave. Toi, tu tues. C'est que tu gâtes. J'ai gâté. Hein? J'ai gâté. Donc, je suis devenu ton jouet, quoi. Tu vas me perdre le temps. C'est ça.
Ouais, tu veux jouer, moi? Non, papa. À ta forcer, non, ou non, papa. Ah, mais faut parler. Mais qu'est-ce qui t'empêche de parler vite? Ma femme. Hein? Ma femme. Votre propre femme? Oui. Vous avez fait quoi? J'ai mis sur une étendue d'eau. Et puis, elle n'est pas morte. Monsieur, expliquez-nous, on va comprendre. Elle va... Vous allez fatiguer nos cerveaux, on va migrer. Elle est morte, bien sûr. Une étendue d'eau. Vous avez fait quoi, votre femme? Je l'ai mis. La peine. Je l'ai. Arrêtez quoi? Hein? Monsieur, vous avez fait quoi? Je l'ai livré. Ah! C'est ça là, vous pouvez pas en parler. J'ai mis une étendue d'eau, puis on a réfléchi. On voit les images, ça a donné les migraines. Ça nous fatiguait. On fait les imaginations dans la tête. Puis on a tous migraine. Tu as livré ta femme. Ouais. Ta propre femme. Ma propre femme. Que tu aimes. Que j'aime. Et elle. Elle avait 3 ans. Tu es trop délinquant, lui là. Elle a 3 ans. Et ta femme a 3 ans de la vie. Comment? Toute petite. Mais c'est pas comment j'ai fait pour. Donc tu l'as livré. Oui. C'est pourquoi? Ça connaît surtout que je suis venu pour hein? La délivrance. Attends. Faut expliquer la chose. Tu as livré ta femme, c'est ça? Oui. C'est pourquoi? Elle n'a rien fait. Non, pour la faire quoi? On sait qu'elle n'a rien fait. Quand tu livres quelqu'un, c'est pourquoi? Pour la tuer après. Pour manger. Pour manger. Ah, tu l'aimes quand tu veux la manger maintenant? Il y a un chinois l'attrapé à Paris. Il a trouvé un morceau de viande dans son congélateur. Dans son congélateur chez lui à la maison. Il a sa copine. Il dit, tellement qu'il l'aimait, il pouvait la manger en même temps. On dit, monsieur, tu mens. Tiens, un cannibale. Quand on aime, là, on entretient ça. On ne mange pas, on protège. Donc toi. Tu as entretenu la femme là depuis 3 ans pour la manger maintenant. Non, je l'ai prise en 3 ans. Mais c'est ça. Oui. Maintenant qu'elle est bien maintenant, tu veux la manger. Tu l'as livrée. Je l'ai livrée. Pour faire quoi? Pour la manger. Pour la manger. Et sauce graine. Oui. C'est la sauce graine? Oui. Vous n'avez pas de viande. C'est la seule viande qui est au monde ici. Si on a la viande. Et pourquoi c'est elle voulait manger? Je ne sais pas. C'est moi qui dis vous ne savez pas. C'est moi qui dois poser la question. Moi, je veux savoir. Vous dites vous ne savez pas. Quand vous mangez viande de l'homme, c'est pas doux. C'est doux. Hein? C'est doux. Vous allez l'associer, c'est bête, hein? C'est très bête. À qui dit ça? C'est elle que je veux prendre. Tu dis quoi? Une femme que toi. Donne-moi. Une fois qu'elle a fait quoi? Que j'ai pris pendant 3 ans. Mm-hmm. En 3 ans quoi. Mm-hmm. Que je vais la tuer, mais c'est pas normal. Mm-hmm. C'est pas normal. Monsieur, si vous voulez pas avoir des problèmes, mm-hmm. Tu cherchez pas à me faire une morale. Hein? Ah. Hein? Pas vous allez me faire une morale, je n'ai pas besoin de ça. C'est vous qui avez besoin qu'on vous explique, vous faites une morale. On me dit que c'est pas normal. C'est nous qui disons que c'est pas normal. Explique-nous ce phénomène-là. Explique-nous ça. Comment c'était ça? Vous épousez une femme et puis vous la mangez avec la sauce graine. Vous voulez la manger? Je vous demande, monsieur. Oui. Et pourquoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas pourquoi vous l'avez quelque. Maintenant, où vous voulez la manger pour eux? Votre propre femme? Ma propre femme. Et où que vous voulez manger? J'ai eu 6 enfants avec elle. Vous avez 6 enfants avec elle? Son merci, là, c'est viande. Moi je ne sais pas que être. Pas de ça là. Hein? Être sorcier, c'est pas. C'est pas normal. J'étais un peu fou. Hein? C'est comme si j'étais fou. Je n'ai pas compris. Donc ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas normal. C'est. Vous avez fait ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que vous avez fait, que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça qui m'a amené ici là. C'est ce que vous envoyez ici.
Mais avant de venir ici, vous avez dit aux gens que vous étiez sorcier? Oui, j'ai dit ça. Vous avez dit aux gens que vous êtes sorcier? Oui. Que vous voulez vous faire délivrer? Oui. C'est ça? Oui. Il a des parents ici? Oui, c'est ça. Il a dit qu'il avait... Lui, de là-bas, il a dit qu'il était sorcier. Mm-hmm. Il parlait à fait de sorcier, mais il ne parlait pas vraiment. Vrai, vrai. Hein? Mais il ne peut pas dire devant vous. Vous n'êtes pas maréchal. Oui. C'est devant le maréchal, on dit maintenant tout dans les moindres détails. Donc il a dit là-bas qu'il était sorcier. Oui, c'est là qu'il dit qu'il a livré sa femme. Ok. Et puis mon petit frère, lui aussi, il a Taloua. Mm-hmm. Et puis ma petite soeur. Et puis son fils. Mm-hmm. Maintenant, en question de mariage, on va lui demander. Eh, tiens. Eh, bien, on n'a pas dit que vous avez déjà dit que vous avez reconnu que vous étiez sorcier. Vous venez d'où? Je viens d'Égypte. À Zopé. À Boboka. Hein? Boboka. Abobo, c'est toi? Oui. Il est d'Abobo? Je suis chef de village là. D'Abobo? Oui. Qu'Abobo? Un quartier à Yaïbi. C'est où ça? C'est quoi? Bon, vous êtes en train de me. Allons-y, affaire de sorcellerie. Moi, je suis dans l'affaire de sorcellerie. Donc, vous avez livré votre femme? Oui. À part la femme livrée, vous avez livré qui? Sa fille. Hein? Sa fille. La fille de qui? La fille de. De ma femme. C'est pas ta femme. Ma fille. Hein? Ma fille. Mais tu dis sa fille. Ma fille. Mm-hmm. Et puis son petit. Hein? Son petit. Monsieur, attendez. Vous voulez que je vous aide? Vous ne me donnez pas l'envie de vous aider. Parce que de toute façon, vous avez dit aux gens que vous êtes sorcier, n'est-ce pas, non? Oui. Mais vous venez dans un endroit, on vous dit, voici le principe pour être délivré de la sorcellerie. Maintenant, c'est là où vous divaguez, vous rentrez là, vous m'en avez parlé, bizarre. Ma femme, ma fille, et puis son petit. Hein? Son petit. Son petit-fils, il a ça. Mon petit-fils. Hein? Mon petit-fils. Ma petite sœur, elle a un bébé. Toi, tu n'es pas un enseignant? Si. Hein? J'étais enseignant. Tu étais enseignant, non? Oui. Alors, donc tu comprends français? Je viens d'enseigner à la retraite. Alors, donc ça veut dire que tu sais parler français. Pourquoi tu joues à moi? Moi, je connais tout sur toi. Donc, ça, c'est déjà un petit problème. Le scan mal, j'ai ça dans ma tête qui est fatigué. Donc, tu as ton petit-fils, c'est ça? Oui, mon petit-fils. Et tu l'as programmé? Oui. Donc, toi, une chaîne vient de te suivre pas. Tu le moins. Tu moins sorcier. J'ai dit, tu moins sorcier. Ton cœur chaud là, il faut laisser. Sinon, on a quitté au milieu là. Le monsieur là. Une bonne sauce arachide le 1er janvier. À demain. Non, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est dur. Éléphant, même les gens mangent ça. Viens de l'éléphant, les gens mangent. J'ai dit, ma fille, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, là, j'ai dit, jamais je suis dur. J'ai dit, tout, c'est la grâce de Dieu. Sorcier, tu n'es pas mort, c'est la grâce de Dieu. Donc, il entend de parler là. C'est une victoire. C'est pas facile de parler devant les gens. Donc laisse-nous faire notre travail. Mais faut pas nous, on ne force pas les gens. Faut pas lui mettre sous une pression comme un an. S'il t'a dit, il vient se faire délivrer. Gloire à Dieu. Il ne peut pas aussi dire ça devant vous. C'est ici. On va aller doucement à lui. J'ai dit ça là. Non, tu n'as pas tout dit. Tu n'as pas tout dit. J'ai dit ça là-bas. Okay. Que tu es. Je suis sorcier. Tu as dit que tu es sorcier. Oui. Vous êtes combien dans vos groupes là? Je suis seul. Ah voilà. J'ai fait exprès pour te poser la question. Parce que sorcellerie, il n'y a pas seule personne. Si quelqu'un meurt, vous remplacez. Si quelqu'un meurt, vous remplacez. Ouais. C'est pas ce qu'il dit? Pour moi, c'est Dongo qui m'a donné ça. On n'est pas seul dans une confrérie. Ça n'existe pas. Toi là, dans ta confrérie, là, vous avez vu personne. Ah, tu me dis en bon? Non. Hein? Non. Vrai ou faux? Hein? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Okay. Les membres de ta confrérie, c'est pas ça qui m'intéresse. Sinon, j'allais t'envoyer sur ce terrain. Eux, ils sont sorciers, ça c'est eux. C'est toi qu'on a attrapé aujourd'hui là. C'est ton affaire qu'on va débattre. Sinon, les autres là, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Donc, faut parler.
Qu'est-ce qui est fini? Viens t'attraper beaucoup là. La maman, ta femme, petit enfant, qui encore? Ma fille. Quelle fille? Ma fille. Elle n'a pas de nom. Seka. Seka quoi? Seka. Niquette. Monsieur, bon, j'ai envie de vous dire de repartir. Seka Niquette. Vous voulez quitter vous venir ici? Et puis, je suis venu à propos. Mais vous êtes parti, parce que vous n'êtes pas envie de parler. Donc, ma femme, c'est qu'un niquette. Vous avez quoi? Ma femme, c'est qu'un niquette. C'est ça, toi, t'as mangé ceux là. Tu es malade ou bien? Et puis, son. Il dit les ceux dans une confrérie. T'es ceux là, et t'as bien de. Tu prends un agneau, un bébé, tu le manges. Et t'as bien de prendre une grosse viande. Vous avez 8 personnes, c'est ça, non? 8 personnes. 8 personnes. Oui. Toi, tu es le chef. Je suis le chef. Tu es le patron. Oui. Ok. Donc tu vas prendre toute la viande là pour distribuer. Tu as nourri toute ta confrérie, c'est ça? Oui. Donc tu as programmé combien de personnes? Ma femme, Niquette et puis son petit. Tu as 5 personnes que tu as programmées? Non, ceux-là sont déjà morts. Non, il y a 5 personnes que tu as programmées. Ce que tu as tué là, c'est 6, tu as dit. 6, oui, 6. Ah, j'ai une mémoire. Six. Monsieur. Il y en a 6. Que tu as tué. Oui. Programmé là, c'est 5. Ma femme, sa fille, la seconde niquette. Puis son... Il vous a dit quoi quand il venait ici? Il vous a dit quoi? Il avait programmé qui? Sa femme. Lève-toi. Sa femme. Ouais. Ma petite soeur, son fils. Mmh. Et puis mon petit frère, Thierry. Mmh. C'est 5 et même, pas dit. Thierry, lui, il a dit que bon, avec sa voiture, il ne faut pas qu'il va sortir. Il a appelé pour lui dire, il ne faut pas qu'il va sortir avec sa voiture. Qu'il l'a programmé. Il va mourir par accident. Il venait de Tarois. Ah, ton fils, il fait quoi, quel travail? Il est au trésor. Il est au trésor. Et c'est un monsieur du trésor où il mangeait sauce grecque. C'est lui qui m'emboîte l'argent. Et c'est lui qui voulait manger. C'est lui qui m'emboîte l'argent. Quand tu es venu. Eh, hey, tiens, attends. C'est un monsieur qui vous donne à manger, que vous mangez, vous voulez manger sur graines. Quand il est venu, il m'a donné 100 000 francs pour. Pour faire quoi? Pour me débrouiller, enfin, pour. Pour manger un peu. Pour manger un peu. Et vous voulez son merci là? Il est sorti. Il a qu'à dans une marmite. Vous allez le mettre dans la marmite. Il est sorti jusqu'à son retour. Et si, enfin, il était dans un carrefour. Et puis tu as vu que vous devez l'attraper. Il était dans un carrefour. Vous l'avez programmé, c'est ça? Vous l'avez programmé? Puis, il a fait accident. Vous l'avez programmé? Oui. Pour le manger? Oui. Quelqu'un qui vous donne 5 000. Comment vous trouvez ça? C'est plus que ça. Bon, il vous a donné tout récemment 5 000, c'est ce que je vais parler. Tout le temps, il m'apporte l'argent. Donc, on ne doit plus faire du bien, quoi, c'est ça? Je sais pas. Il m'a fait du bien, c'est le seul qui m'apporte. Il y a des docteurs, tout ça là, mais c'est lui seul qui m'apporte à manger. Et c'est le seul là qui veut manger. Hein? Hein? Oui. C'est à moi où vous faites le moral, à la morale, vous voyez. Il me dit, mais vous voyez. J'ai appuyé de toi-même. Mais pourquoi tu te donnes pas toi-même à te manger? C'est ce que je sais pas. Non, mais je vais. Ah, stop. La meilleure manière là, c'est de te donner. Hein, et puis, quand tu es bien mangé en 3 jours, fais sauce arachide, sauce jinglé. Maintenant, le reste, on braise avec un goût diamant. C'est fini. Fallait toi-même te donner. C'est ce que tu veux faire. Donc on peut maintenant faire ça, non? On les laisse et puis toi-même tu te donnes. Oui, oui. Est-ce que on est d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Maintenant on est d'accord avec ça? D'accord. On est d'accord? Oui, oui. Moi-même je suis d'accord. C'est ce que tu veux? Oui. Donc tu n'es pas venu faire délivrance? On les appelle? Ah. Donc tu n'es pas venu faire délivrance? Moi-même. Et t'es obligé de venir ici pour te donner? Tu t'es obligé de venir au centre ici. Les laisser te mettre à ta place là. Être obligé de venir au centre ici. Je te pose la question.
C'est pas que le patron l'a confléré. Tu dis seulement, laissons. Bon, prenez-moi, faites-moi les sorts si vous voulez. Ils vont te manger. Je suis d'accord. Donc, tu ne veux pas être délivré. Vous ne voulez pas être délivré. Mais peut-il là? Non, je te pose, la question. Vous ne voulez pas être délivré. Vous êtes venu chez pourquoi? Je suis venu pour ma délivrance. Délivrance, c'est pourquoi? Pour me laisser. Okay. En liberté. En liberté, comment? Pour ne pas être malade. Parce que j'avais une maladie là. Bien sûr. On attend de parler des sorcelleries. Vous rentrez à gauche, vous rentrez à droite. Vous avez la sorcellerie ou vous avez une maladie? C'est la sorcellerie qui m'a donné ça. Hein? C'est ça qui m'a donné cette maladie. Bon, on soigne quoi? La sorcellerie. Alors, donc parlons de ça. Moi, je parle de la maladie que je vais soigner. Pourquoi vous parlez, vous voulez qu'on parle d'autre chose? C'est que tu avais pour venir ici là. C'est de la sorcellerie. Tu avais programmé des gens. La sorcellerie. C'est ça que m'a envoyé. Tu as fait quoi au village, chez toi au village? Au village, je n'ai rien fait. Tu as gâté quoi? Au village, je n'ai rien fait. Faut pas y aller dire ça. Hein? Non, 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 faut pas y aller dire ça. Si tu dis ça, je vais t'aider. Si tu as réussi à dire cette vérité là, je te délivre. Au village, j'ai cherché la femme d'un ami. Ça, c'est sorcellerie, ça. C'est sorcellerie, tu cherches la femme de quelqu'un. Il y en a plein dans la ville ici de Divo. Ils font ça. En sorcellerie. Hé, stop! Cherche la femme de quelqu'un, c'est sorcellerie. Les villes où les femmes des gens draguent les gens pour qu'on les cherche. Et ça, c'est sorcellerie. Tu as fait quoi en sorcellerie dans vos villages? Tu as gâté quoi en sorcellerie? C'est ce que je veux. Je veux entendre. Je vais rarement là-bas. C'est à moi, tu dis tu vas rarement en sorcellerie. Sorcellerie, là, on marche pour partir ou on s'envole en esprit. On paie transport pour partir. Monsieur, on paie transport pour partir sorcellerie là. Quand quelqu'un veut aller en France, il paie avion pour aller là-bas. Est-ce que j'ai dit là, ce que j'ai tué là, ça? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en train de me fatiguer maintenant. Non, non. Sorcellerie là, on paie le transport pour partir ou est-ce en esprit? En esprit. C'est en esprit. Qu'est-ce que vous avez fait au village? Je dois travailler. Il y a des gens ici, je dois écouter. Je vois, Qui était laissé là? Changeant bien. Au village. Je n'ai rien gâté là-bas. La deuxième fois encore. Qu'est-ce que tu as gâté? J'ignore un peu ça. J'ignore un peu ça. C'est à moi que tu dis ça. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Qu'est-ce que tu as gâté au village? Parmi ses enfants, je vois un cas qui est policier. Oui, mes enfants, il y en a un qui est policier. C'est un policier. Il est là-bas, gros. C'est ça qui te l'a déjà tué? C'est ça qui te l'a déjà tué? Ça, je ne sais pas. Tu m'as une fois dit que ton fils est policier? Quand tu es venu ici, tu m'as dit que ton fils est policier? Non, tu m'as pas dit, toi tu es venu, tu m'as dit son fils est policier? Faut pas jouer à mon don. C'est vrai, papa. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Le policier. Marie Soméda. Qu'est-ce qui est vrai? Que je l'ai tué. Alors. Donc c'est un mot que tu es en train de jouer. Non. Vous voulez pas que mon papa?
Comment tu as fait pour le tuer? Tu as transformé en quoi? En biche? En biche, c'est ça? En biche. Hmm, c'est ça? Oui. La biche blanche, là? Oui. Il doit faire un accident le 10 janvier? Oui. Oui, 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 oui. Monsieur, monsieur, papa, monsieur, papa. Je vois qu'il n'est pas prêt. Non, il est prêt. Aidez-moi. Mais tu as parlé de lui tout de suite là? Ah, Marius, oui. Est-ce que tu as parlé de lui? Je n'ai pas parlé de lui. Je n'ai pas parlé de lui. Pourquoi? Je n'ai pas parlé de lui. Pourquoi? C'est l'un des enfants de ma femme. Mais tu l'as gâté? Tu l'as tué? Tu l'as tué? Tu l'as pas tué? Il donne l'esprit de folie aux gens. Il a cette capacité de donner l'esprit de folie. Et puis il détruit la grossesse des femmes. Tu fais pas ça? Je sais. Hein? Je sais. Pourquoi tu parles pas de ça? Tu fais pas ça? Je fais ça. Hein? Je fais ça. Elle est quoi pour toi? Je sa troisième. Non, non, je sais. Laisse-le parler. Ça, lui, j'ai demandé, pas à toi. Tu es marié? Non. Faut que tu passes un désarme. Hein. Faut qu'on désarme un peu ici là. Elle est qui pour toi? C'est ma fille. Tu couches pas avec elle? Hein? Elle a nu de. C'est à moi que tu demandes. Bien. Elle est qui pour toi? Elle est ma fille. Tu couches pas avec elle? Sorcellerie. Hein? Oui. Mettez-vous ici, monsieur. Vous l'avez déjà dit ça? Regardez là, regarde là. La nuit, tu la violes là. Hein? Tu couches avec elle. Comment tu fais? La nuit, tu vois un rêve. Quelqu'un fait l'amour et toi, il t'embrasse. Tu es content. Oh, le vieux, il est sur toi. Toi, tu n'as rien pour coucher avec elle. Ton âge que tu as là. Tu as des reins? Tu as des reins? Non, non. Non, je suis vieux, j'ai 115 ans. Non, et puis tu fais? Tu dois aller à la retraite. Et tu continues de faire? Je suis à la retraite. Non, mais tu continues de faire. Tu couches avec ta femme, en esprit. Vrai ou faux? Comment tu fais? Pourquoi tu as bloqué son mariage? Pourquoi tu as bloqué sa vie? Faut expliquer. Elle avait un mari, un jeune Abel. Il n'y a pas d'attente entre eux. Et pourquoi tu as bloqué sa vie et tout ça? C'est ce que je veux que tu expliques. Monsieur, tu couches pas avec elle en sorcellerie? Tu couches pas avec elle en sorcellerie? Hein? Hein? Oui. Pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi? Tu me perds le temps, hein? Je suis en train de
t'aider. Je vais commencer sur toi tout de suite. Je viens de commencer sur toi. Donne-moi la possibilité de t'aider. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu couches avec elle. Et donc tu es son mari de nuit. Hein? Tu couches avec la fille. Et ça te plaît? Ça me plaît pas. Et pourquoi? C'est un plaisir, vous ressentez les choses. Vous savez continuer de coucher avec la dame. Vous couchez avec elle? Oui. Hein? Oui. Chaque fois, vous couchez avec elle. Oui. Quelle est votre épouse? Oui. Hein? Oui. C'est votre femme, la nuit, vous couchez avec elle. Et qu'est-ce que vous avez gâché dans sa vie? Quand vous couchez avec elle, qu'est-ce que vous avez gâché dans sa vie? Regardez là. Son mariage. Hein? Son mariage. Tu as détruit son mariage. Regarde là. Dis-lui ce que tu as fait. Là-bas, là. Tu couches avec elle, c'est ça? Oui. Tu couches avec elle? Oui. Regarde là-bas. C'est elle que je veux que tu regardes. Là-bas, qu'est-ce que tu as gâché? Dis ce que tu fais. Dis-lui. Son mariage. Dis-lui ce que tu fais avec elle. Ton mariage. Regarde, tu dis ton mariage. Qu'est-ce que tu fais de ce mariage? Monsieur, oui. C'est le temps qui passe. Son mariage. Mariage, c'est tout. Tu ne couches pas avec elle. Dis-lui ce que tu fais. Ce que tu fais si elle, il faut dire. Je dors avec toi. Dormir avec toi, pas de coucher. Je fais l'amour. Je fais l'amour. Hein? Et coucher, dormir, les amis, tu accouches après d'elle. Il y a français, puis il y a français. Hein? Hmm? Tu couches avec, tu fais l'amour avec elle, c'est pourquoi? Monsieur. Tu peux avoir un enfant. Hein? Gâteau son mari. Mariage. Gâte son mariage. Pour plus qu'elle ait un enfant, tu vas détruire sa vie. Hein? Oui. Pour plus qu'elle ait un enfant. C'est ça? Oui. Et puis tu as gâté son mariage. Oui. Elle savait ça? Je ne sais pas ça. Et pourquoi? Je ne l'ai pas dit ça. Et pourquoi? C'est elle qui m'a envoyé ici, heureusement. Ah, tu n'es pas content que tu sois ici? Non. Je suis content. Mais. Je suis content. Eh, mais elle t'a envoyé ici parce que. Tu avais quoi? Pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Mais autant lui dire. Quand elle venait ici, quand elle venait t'a parlé, lui dit, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il s'est fait, voici ce qu'il s'est fait. Les mecs 17 ans ont beaucoup voyagé dans le village. J'ai commencé à m'équiper. Hein. J'ai commencé à avoir tous mes instruments. Après le 20 janvier, on va commencer à attaquer le village. On va commencer à voyager. Il y a longtemps, on n'a pas encore allé dans la base de la sorcellerie. Invitez-moi, l'ouèche, les guéris. Voilà. Papa, je suis là, côté à Zoto. C'est le lit de la restaurante. Le lit. Papa, arrivé à Zoto, là-bas, c'est le travail des dragons seulement. Allez-y, délivrez mon village. Bon. Nous, on est expert en destruction des dragons. Ah, je ne dors pas chez moi. Donc, tous ceux qui veulent qu'on aille dans leur village, commencez déjà à rentrer en contact avec le secrétariat, commencez déjà à expliquer des choses. On va vous enregistrer. Parce que moi, en avril, je voyage. Déjà en mars, je passe l'Europe. Je pars pour 2 mois. Donc, on va commencer déjà après le 20, jusqu'en tout le mois de février, on envoie seulement dans les différents. On a 2 jours seulement. Pour gérer le village. Deux jours. Moi-même, c'est ma maison, la maison de mon grand-père. Là. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas trop, mais la maison de mon grand-père. On va gérer ça, ne t'inquiète pas. Papa, oui, mais nous, on s'est marié. Je suis là. Amen. Amen. Donc, le vieux, c'est ta femme. La nuit. Tu fais chat noir la nuit. Et toi, ta force pour faire l'amour, hein, sœur? Il n'y a plus de force. Mais toi, tu n'as pas de force. Et tu as fait quoi encore? Avec elle. En sorcellerie.
J'ai parlé beaucoup à ta place, j'ai parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Oui. Oui. Tu as fait quoi encore? Sophie, vous voulez. Ma petite pépine. Hein? Elle n'est pas papa, elle ne fait pas enfant. Depuis là, elle a l'âge de faire enfant, mais c'est ma soeur aussi. Donc je l'ai bloqué aussi. Hein? Ma fille. Ma première fille. Ma première fille. Regardez ici, on va parler. Ta première fille, elle fait quoi? Elle ne fait pas enfant. Ta première fille, tu fais quoi? Je l'ai bloqué. Tu l'as bloqué comment? Je n'ai pas fait enfant. Et comment tu as fait? Ça fait un peu longtemps. Comment tu as fait et puis elle ne peut pas faire enfant? J'ai enlevé son... C'est trompe. C'est trompe. Ah, mais tu peux vous parler. Et tu as mangé ça? Oui. Tu as mangé les trompes de ta fille? Oui. C'est bien qui te manque. Et quand tu manges trompe, ça te donne quel grade dans la sorcellerie? Monsieur, expliquez-moi, allez-y. Je sais pas. Ah, vous ne savez pas? Quand vous mangez trompe, là, c'est pas cadeau. Ça vous apporte quelque chose sur le plan spirituel. Comment vous avez arrivé à manger les trompes de votre fille? C'est comme les tripes là. Un sauce copain. Il y a Placali à côté. Quand petit pays Placali, la madame, vous me donnez ses billets. Donc quelque chose vite, hein? On fait la sauce avec ça. La sauce avec ça. Hein? La sauce. Tu dis quoi? On a fait la sauce avec ça. On a fait, ça veut dire quoi? J'ai fait faire la sauce avec ça. Et puis? On a mangé avec On a mangé. J'ai mangé avec Diango. Hein? Diango, la recette de la goutte Diango. Qu'est-ce que vous avez eu comme grade? Comme ça? Et quand tu manges trompe là, c'est comme ça. Oui. Hein? On t'a pas donné escargot, qui est devenu comme une caméra pour toi, pour voir les gens de loin. Quand tu as mangé ça là, ils t'ont pas donné ça. Escargot, c'est comme une caméra, tu as ça. Tu as ce pouvoir là, c'est un escargot. Quand tu regardes ça, tu peux voir partout à Abidjan, en France. Tu as ça, non? Tu n'as pas ça? J'ai ça. Hein? J'ai ça. Alors, mais pourquoi tu dis pas? Ok, on t'écoute, vas-y. 2017, on va attaquer les villages. J'ai commandé les t-shirts. Brigade anti-sorcier rouge, noir. Ça vient. J'ai déjà acheté les chaussures Timberland de mes. On va partir au village. Voilà. 2017, là. C'est une année de croisade. On prend cas. J'ai dit, mais moi, j'attendais le matériel. Il y a déjà tout, hein. La sono est déjà là au point. On a déjà une soeur qui nous a offert groupe électrogène, tout ça. On va démarrer après le vent, on démarre les tournées dans les villages. Ça fait plus de 2 ans comme ça, je ne bouge pas encore dans le village. Monsieur, on y va. Comment tu fais? Dans la caméra, tu fais quoi? Pour voir loin. Madame, venez. Viens, ça, c'est fille là, venez. On va, mettez-vous là. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants? Allez, porte les chaussures. Ici, on porte les chaussures. Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants? On va maintenant prier pour leur délivrance. Viens, interprète, Dida. Qu'est-ce que tu as fait à celle-là? C'est ce flot-là. Son mariage, elle a bloqué. Hein? Comment elle a bloqué? Comment elle a bloqué le mariage? C'est ce nom. C'est la même, ça.
Non, tu ne veux pas qu'elle soit mariée. Ne va pas, ne va pas vous dire. Ben ne va pas vous dire c'est là là. La confirme. Et tu ne veux pas qu'elle se marie. Ne va pas vous dire. Oui. Vous voyez souvent les filles sont belles. Pas de mariage. La sorcellerie mine la vie. Quand tu prends une femme comme ça, tu as tous les problèmes, tous les problèmes. Maintenant, c'est accident, tu veux la tuer. Mm. Tu as gâté toute sa chance. Faut parler là-bas. Si. Mm. Vas-y, elle n'a qu'à traduire. Qu'est-ce que tu as fait? C'est nous, non, à Saudi. J'ai mis la mort, tu as quitté ton mariage et la mort par accident. Ta chance même, j'ai tout gâté. Ok. Tu as fait quoi, celle-là? Les blancs. Je l'ai déjà tué. Tu l'as déjà tué? Mmh. Comment? Et c'est bon. Donc on la voit comme ça, les cadavres déjà. Gosse à revoyé, on l'a déjà connu. Comment c'est possible? C'est la même, là, ça. Demande-lui comment c'est possible. Et c'est nous. Et c'est nous. Mais bon. C'est la même. C'est la même. Et n'y a pas. Vas-y. C'est avec le serpent qu'elle opère toujours. Oui, comment tu fais? Ouais, balayer ça, ça. C'est la mère, il y a un son dans là. Avec le serpent, je perds toujours. Elle n'aime pas. C'est pour ça qu'elle a attendu. Elle n'aime pas quoi? Cette ville de sorcellerie. Comment c'est possible? Parce qu'elle est là, elle est vivante, et puis tu dis que tu l'as tuée. Oh, oh, il était bon, il a goûté à rien. Pourquoi il a été brûlé? On veut savoir. Mais c'est nous. Mais nos coups, oh mon, nos qui est brûlé. Seigneur, nous y en a sali. Oh, oh, il y a le lait déjà coupé. Ah, c'est lui là, c'est nous là. Il brûle, y en a. Il brûle, y en a. C'est bon. Très amène, pardon. Elle dit quoi? Avec le serpent. J'ai déjà tué. Avec le serpent, elle a tué sa fille. Voilà. Comment tu l'as tué? Le serpent l'a piqué. Donc elle est morte? Voilà. Non, tu dis que tu l'as tué, ça veut dire qu'elle est morte. Donc, en esprit, elle est morte, c'est ça? En esprit, elle est morte. Mais c'est que vous gommez les coups. C'est la nana, vous savez que vous gommez à quoi quand vous savez mon cou. En esprit, on la voit comme ça, mais en esprit, elle est déjà morte. Et tu l'as mangée? Dio déjà. Elle l'a dit. Tu peux laisser bien. Il va mouiller d'aller. Ah, Idiot, papa, il dit quoi? Et tu as eu ta fille et tu sais que tu l'as mangée. C'est quelle sauce tu as fait? Et des abou, bien quoi? Zabou est le pinot, non? Oui, quoi? Ah, elle est bien braisée. C'est la braiseuse, là? C'est la braiseuse. C'est la braiseuse, là, qui est dangereuse, ben. Tu n'as pas le temps d'aller au marché. Donc, du coup, vous payez coyo, tomate, aubergine, tu braises à nous. Toi tu fais sauce, elle ne fait pas sauce, elle braise. Ta collègue. Tu la braises. Et tu as mangé quel morceau? C'est des bodomé bia. Ou boya polé. La tête et le cœur. Et j'étais dit. Bien avec ça. C'était bien doux. Tu as mangé? Ça passe là-bas?
Il a bien mangé. Mm-hmm. Et c'était doux. Mm-hmm. C'est bête un peu la sorcellerie. Elle ne te donne pas à manger, elle te donne rien. C'est que la nabodogue, on y a mon Dieu, on y a dit. Comme vous voyez. Elle s'occupe d'elle. C'est elle qui s'occupe. Elle est la voix. C'est elle qui s'occupe. C'est la sainte. Elle dit quoi? C'est elle qui lui donne l'habillement. En tout cas, tout. Elle lui donne tout. Tu as fait quoi? Elle est souvent dit, les gens, quand les, souvent les sorciers mangent les gens, ils sont déjà morts. Donc elle, tu l'as déjà mangé, les mortes. Ça, au dernier mot, il a déjà au couvé. C'est que tu aimes. Viens lui dire ça ici. Viens. Vous parlez. Ça, les mettez ça, les yon amblé. C'est mon nom. Il va avec sa main. Je te l'ai déjà tué. J'étais enlevé aussi. Ah, tu espères enlever le mariage? Ma papa, calopina. Ça me dépasse, au fait. Allons-y. Il est baisé. Ouais, allez-y. Ni ma belle sa mort. Tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Ni sa belle sa mort, j'ai ta chance, tout. T'as enlevé sa chance. Tu as envoyé ça où? Hein? Il me fallait, Giono, il me fallait. Lilona. Il dit Giono, c'est qui tu vends ça? Quand tu donnes à manger? Je prie que la puissance de Dieu. Calme, allez! Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu. Allez, esprit de mort. Tu libères son âme, tu libères toute sa vie et tu libères toute sa destinée. Les commandos, je vous levez là. J'espère que vous avez bien mangé à midi. C'est un poids. Hein? Je vous levez là. Envoyez-la à la délivrance. Envoyez-la à la délivrance. Aidez-la. Le feu. La puissance de Dieu. Aidez-la. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait à celle-là? Où est Esper en Dida là? Elle lui a enlevé. Son mariage et ouais, c'est dans la puissance de Dieu. Jésus-Christ te délivre ce soir. Sa main te libère. Reçois la délivrance maintenant. Je commande au nom de Jésus que l'esprit qui minait ta vie soit détruit par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Feu! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te libère maintenant. Sa puissance te libère. Reçois la délivrance maintenant. Jésus te délivre. Reçois la délivrance. Ta puissance te libère. Sa puissance te libère. Reçois ta délivrance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu veux très bien. Envoie la délivrance. Aidez-la. Il y a longtemps que vous êtes là? Je sens l'esprit de moi aussi. Je
Saint-Esprit. Hey, comment? Fais! Comment? Allez, fais! La puissance, lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, fais. C'est toi. Fais sur toi, allez. Le feu. La puissance de Dieu. Détruis tes œuvres. Allez. Le feu. Consume tes œuvres. Comme sur tes yeux, la puissance de Dieu. Allez, lâche-la, allez, Dieu. Le feu. Commence, allez. Lâche-la. Au nom de Jésus. Le feu. Allez, feu. Lâche-la, allez. Le feu. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois. Comme feu. Lâchez son arme. La puissance de Dieu. Lâchez son arme. La main de Dieu te délivre. Maintenant, main. Reçois la délivrance. Maintenant, main. La puissance de Dieu vous délivre. À partir du mercredi, jeudi, vendredi, nous avons une grande retraite spirituelle. Le thème, comment posséder l'année 2017, comment posséder l'année 2017 et comment faire écraser nos ennemis. Il faut que nos ennemis tombent au cours de cette année, peu importe que ça soit dans 2 heures, 3 heures, pourvu que leurs œuvres soient anéanties. J'aimerais que tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont aux États-Unis, qui ont des familles ici en Côte d'Ivoire, envoyez des représentants de vos familles à cette rencontre. La retraite commence à partir du mercredi. Vous envoyez des personnes mercredi, elles seront là mercredi, jeudi et vendredi. Nous allons ensemble prier pour que le malheur qui est constamment sur vous s'arrête. Pour que ceux qui en veulent à votre vie soient à jamais détruits. Si vous êtes en France, aux États-Unis, quelque part, vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, faites-vous représenter. Ça serait vraiment des moments très terribles avec des actions prophétiques puissantes pour faire terrasser nos ennemis. La sorcellerie doit céder la place à la puissance de Dieu. C'est à partir de ce mercredi, c'est après-demain, à partir de ce mercredi, mercredi, jeudi et vendredi, des moments terribles dans la présence de Dieu. Lâchez sa vie. Lâchez-la. C'est un ordre. Hey! Le feu. Allez, lâche-moi cette prise. Allez, feu, lâche-moi la prise. Lâche mon âme. C'est un ordre. Allez. Lâche-moi la prise. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Sa puissance te délivre. Sa puissance te libère. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que le plan de la sorcellerie, l'esprit de mort, cette programmation de mort est détruite dans le nom de Jésus. Je libère ta vie maintenant même par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, je libère ton âme. Lâche-la! Allez! Tu vas la libérer.
C'est un ordre. Mettez-le là-bas. Hey, vous savez que là-bas, restez là. Elle ne mourra pas. C'est un ordre. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle, la puissance de Dieu, la puissante main de Dieu vous libère maintenant. Sa puissante main de Dieu te détruit le pouvoir de l'esprit de dragon. La puissance de Dieu vous libère maintenant. Le feu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus vous libère maintenant. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, le corps au esprit, lâchez sa vie. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, vous libère maintenant même, sa puissance. Je refuse sa mort. Je refuse sa mort. Je refuse sa mort. Dans le nom de Jésus. C'est pas accepté. Je refuse sa mort. Tu pars et c'est un ordre. Lâche-la. 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 C'est un ordre. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Tu pars. Parlez de feu. Va-t'en. Quitte sa vie. Tu m'attends. Libère. Libère. C'est un ordre. Tu vas partir en libérant sa vie. Tu lâches son âme. C'est un ordre. Va-t'en. Va-t'en. Je le mets là. La puissance de Dieu. L'esprit des dragons. L'esprit des dragons. Comment allez. Feu. La puissance de Dieu. 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 Amenez-la à la délivrance. Conduisez-la à la délivrance. Conduisez-la à la délivrance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Envoyez la dame, envoyez la dame. C'est ça, envoyez la dame. Feu. Hey. Feu. Allez. Lâche-la. Lâche-la. C'est un ordre. Le feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Le feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment aller? Le feu. Lâche-la. 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 Lâchez-la. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Le feu. Lâchez sa vie. Lâchez-la. C'est un homme. Comment aller? Le feu. La puissance de Dieu. 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 Allez. Allez. La puissance de Dieu. Lâche-la. 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 Comment aller? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La main de Dieu te délivre maintenant. La puissante main de Dieu te libère. Sa puissante main te délivre. Sa puissante main te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. La puissance de Dieu. Comment allez. Feu. Le feu. Allez, comment. Allez, feu. Feu. La main de Jésus. On disait là la délivrance rapidement. Monsieur,
la puissance de Jésus. Jésus, tu guéris. Jésus, tu guéris. Jésus, te touche. Reçois ton miracle. 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 Reçois. Reçois ton miracle. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois. Reçois ton miracle. 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 Comment la puissance de Dieu. Et te délivre cette puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu. Je libère. Je libère ton cœur. 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 Reçois. 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 La délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde-la là, j'arrive. Mon vous lâchez sa vie, vous lâchez qui est dans le sang de l'agneau, vous lâchez toute sa destinée, vous lâchez sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous lâchez sa destinée, vous lâchez son âme, vous lâchez sa vie, dégage de sa vie, allez, libère-la, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sa main te libère, sa main te libère, au nom de Jésus. Je refuse qu'elle meure. Je refuse qu'elle meure. Au nom de Jésus. On sera côté à Nekoba. On sera côté à Nekoba. Tu quittes sa vie. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame sa délivrance. Reçois. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Amen. Jésus. 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 La puissance de Dieu. Allez, comment? Non, allez, puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus. Jésus te délivre. Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. La puissance de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu fais quoi dans sa vie? Tu fais quoi dans sa vie? Que fais-tu dans sa vie? Tu fais quoi dans sa vie? Tu fais quoi dans sa vie? Je pars. C'est un ordre. Tu m'attends? Va. 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 Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu disais la délivrance. Mon obémli, anya asolu lonani gbako uwebe, asolu lonani gbako uwebe, asolu lonani gbako uwebe, asolu lonani, asolu lonani, asolu lonani gbako uwebe, urani kui, akwa, ah, urani kwadi, asolu lonani, asolu.
Nous levons tous les mains vers le ciel. Nous réclamons la délivrance de la part du Seigneur. Nous demandons que le Seigneur Jésus nous visite ce soir. Nous réclamons la puissance de Dieu. Que sa puissance nous libère ce soir. Cette soirée, elle est importante pour chacun d'entre nous. Sa main te touche ce soir. Cette main de Jésus te touche. La puissante main de Jésus te touche ce soir. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je proclame sa puissance sur ta vie. Je proclame sa puissance sur ta vie. Sois la visite du Saint-Esprit. Sa puissance te touche. Sa puissance te touche. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. 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 Sa puissance maintenant. Je proclame la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Son âme. Je proclame la délivrance de ton âme. Je proclame. Je proclame. Feu. Je proclame ta délivrance. Ce soir, reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Je proclame ce soir ta délivrance. Je proclame la puissance de Dieu. Je touche. Touche ce soir. Comme la puissance de Dieu. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame, allez, la puissance de Dieu. Comme feu. Allez, feu. Feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Allez. Allez. Lâche-la. Feu. Feu. Allez, feu. Allez, feu. 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 Allez. Allez. Comment? Comment? Le feu. Le feu. Le feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez. Allez. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus. La puissante main de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Délivrance. On est la délivrance. Lâche-la. C'est un homme. C'est un homme. Allez. Allez. Fais-y toi. Allez. Lâche-la. Lâche-la. La puissante main de Jésus. La puissante main de Jésus. Allez, lâche-la. Le feu sur toi. Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa puissante main te touche. Sa main te touche ce soir. Sa puissante main te touche ce soir. La puissante main de Dieu. Comme la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Jésus te délivre ce soir. Jésus te délivre ce soir. Délivre, délivre ce soir. Reçois, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. La puissante main de Dieu te délivre. Conne et feu. La puissance de Jésus, la puissante main de Jésus te délivre ce soir. Reçois ta délivrance. Et maintenant, main, reçois la puissante main de Dieu. Il te libère maintenant, main. Reçois ta délivrance. Allez. La puissante main de Dieu. La puissance main de Dieu. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu te touche maintenant. Reçois. 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 Allez. Reçois la puissance de Dieu. Reçois.
reçois ta délivrance. La puissante main de Dieu vous touche ce soir et sa puissance vous libère ce soir. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissante main de Dieu. Te touche. Hey, comment? La puissance de Dieu. 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 Te touche. Te touche ce soir. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Lâche cette vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche la vie. Lâche-la. Hé, hey, feu! Commande! Feu! Allez, commande! Feu! Allez! Lâche-la! Feu sur toi! Feu sur toi! Allez! Allez! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu sur toi! Le feu sur toi! Allez! Lâche-la! 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 Comment? Le feu sur toi! Le feu sur toi! Le feu consume tes œuvres! La puissance de Dieu! La puissance de Jésus-Christ te libère ce soir! Reçois ta délivrance! Hé! Hey! Quitte sa vie! Quitte sa vie! Quitte sa vie! Quitte sa vie! Au nom de Jésus, tu la libères maintenant, là. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa puissance te libère. Lâche-la. 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 Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Sors. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu pars. C'est un arbre. C'est un arbre. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Tu la libères. Et maintenant, lâche-la. Lâche-la. Montre-toi toujours comme ça. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Je l'ai fait mort. Oui, ta mère. Oui. Ne la laisse pas. Et pourquoi? Elle va mourir. Pourquoi? Elle est venue par mon mari. Je suis sa belle-mère. Sa belle-mère. Oui. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oui. Basali. 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 Qu'est-ce que tu fous en elle? Cherchez ton mari et ton fils. Oui, je veux les éliminer. Tu veux les... Oui. Et pourquoi? Oui. Oui, je veux pas de rival. Je veux pas de rival. Jackie, laisse-moi la libérer. Laisse-moi la terminer. Quel est ton nom? Toi, tu veux la terminer. Oui. Quel est ton nom? Oui. Quel est ton nom? Basali. C'est toi qui veux terminer la dame. Oui. Et pourquoi? Je veux pas la sentir. Tu veux pas la sentir? Elle veut mettre la lumière de Dieu dans ma maison. Oui, elle a la lumière. Oui, elle veut délivrer ma famille. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'elle. Oui, qu'elle aille voir sa lumière. Elle a sa puissance. J'en ai marre de sa puissance. Oui, 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 oui. Oui, mais libère-la maintenant. C'est un ordre. C'est un ordre. Libère-la. Tu m'entends? Tu ne pourras pas atteindre à son âme ni à sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes yeux prennent fin aujourd'hui même. Tu la libères maintenant. C'est un ordre.
Tu m'attends? Tu m'attends? Va! Voilà, va-t'en! Rampe comme un serpent, il va! Rampe, allez! Rampe! 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 Rampe, allez! Et va-t'en! Tâchez bien de ne pas être. Et va-t'en, allez! Va-t'en! 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 Voilà, va-t'en! Au nom de Jésus! 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 Tu la libères! 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 Au nom de Jésus! La puissante main de Dieu te délivre maintenant! La puissante main de Jésus te libère! Au nom de Jésus! Lâche ton âme! Lâche ton âme! Lâche ton âme! Va-t'en! Va-t'en! Va-t'en. 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 Au nom de Jésus, la puissante main de Jésus te libère. Jésus, viens-y! Non! Au nom de Jésus. Jésus, va-t'en! Au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus. Allez! Je reviendrai là. Quitte sa vie. 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 La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare vaincu au nom de Jésus. Je proclame sa délivrance. Proclame sa délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Mettez la main sur la tête. Mettez la main sur la tête. La puissante main de Jésus vous délivre ce soir. Sa puissante main vous délivre ce soir. Sa puissante main vous délivre ce soir. Jésus-Christ te libère. Jésus te libère. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Sa puissante main te libère. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Sa puissante main te libère. Jésus Christ. Qui a vaincu la mort, te délivre ce soir. Jésus-Christ qui a vaincu la mort, te libère ce soir. Jésus-Christ qui a vaincu la mort, te libère ce soir. Lâchez sa vie, je libère ta destinée. Le diable ne règnera pas comme maître sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois ce soir ta délivrance. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. La puissance du nom de Dieu te libère. Sa puissante main te libère. Sa puissante main te libère. Sa puissante main te libère. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois sa grâce sur ta vie. Au nom de Jésus, je commande aux forces des ténèbres. Je commande aux puissances des ténèbres. Je commande aux puissances des ténèbres de lâcher ton âme, de lâcher ton esprit, de lâcher toute sa responsabilité, de lâcher toute sa destinée. La puissante main de Dieu te libère au nom de Jésus. Que les esprits lâchent ton âme. Que les esprits te libèrent. Les esprits te lâchent. Les esprits te libèrent. Les esprits lâchent ta conscience et ton subconscient. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame ta délivrance ce soir. Reçois la main de Dieu. Qui visite ton aide depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. La puissante main de Jésus te délivre ce soir. Je commande aux esprits des ténèbres de lâcher ton âme et de libérer ta vie. Et maintenant même, c'est un ordre. Le diable a échoué dans son plan concernant ta vie. Il capture maintenant et te lâche pour lâcher cette captivité. Au nom de Jésus, lâchez-la. Lâchez-le plutôt. Lâchez-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commande! Commande! Aie! Veux! La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, lâche-le, lâche-le. Au nom de Jésus, la puissante main de Dieu te délivre maintenant. Recevez la grâce de Dieu sur votre vie. Touchez vos têtes, que la puissance de Dieu vous délivre. Que la puissante main de Jésus-Christ vous délivre encore au nom de Jésus-Christ. Et que le mal de cœur disparaisse maintenant au nom de Jésus. Ton cœur reçoit la délivrance
et maintenant là. Reçois la main de Dieu qui te guérit et qui te délivre maintenant. La main de Dieu te guérit et elle te délivre maintenant. La main de Dieu te guérit. Elle te délivre maintenant. Là. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu te touche maintenant. Te touche. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ah! Reçois ton miracle. Comment? Reçois ton miracle. 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 Hey, comment? Reçois ton miracle. La puissance de Dieu. Hey, la puissance. Comment? Feu. Hey, la puissance de Dieu. Reçois ton miracle. 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 Je commande la puissance de Dieu. Afin que tout ce qui a été fait sur vos vies, qui vous empêche de rentrer dans votre destinée, je brise cette présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ça au nom de Jésus. Je vous libère maintenant, maître, dans le nom de Jésus. Nous sommes dans les dernières semaines, les dernières semaines de l'année 2016. Je proclame la puissance de Dieu. Et si ta vie, si quelque chose a été fait sur ta vie, je déclare la puissance de Dieu sur toi. Et je te libère maintenant, maître. La puissance de Dieu, j'invoque le feu. Le feu pour consumer la semence du diable et dans ta vie. La consumer la semence du diable et dans ta vie. Recevez la délivrance maintenant même. Reçois. Reçois. Reçois ton âme. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et proclame sur ta vie. Sa puissante main. Et proclame sur ta vie. La puissante main de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois ta main de Dieu. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te touche maintenant. 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 Et la puissante main de Dieu te libère. Cette main de Dieu te libère. Maintenant, main. Reçois la grâce de Dieu. Touchez vos têtes et puis commencez à parler. Vous dites tout ce qui a été fait comme sémant, tout ce qui a été fait au cours de cette année 2016, tout ce qui a été sémé dans vos vies, tout ce qui a été fait par l'ennemi dans vos vies, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Commencez à parler, commencez à prier. La puissance de Dieu vous libère ce soir. Sa puissance vous libère ce soir. Sa puissance vous libère ce soir. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. J'annule toute programmation de mort. Sur ta vie. Toute programmation de mort sur ta vie. J'annule tout ce que l'ennemi a semé et programmé sur ta vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. J'annonce le programme de mercredi. Ce mercredi, après-demain, nous avons un grand programme pour entrer en 2017. En 2017, il y a un grand programme où il y aura des puissantes actions prophétiques le mercredi, jeudi et vendredi, même samedi est dedans, inclus dedans, pour vous aider à posséder l'année. Nous allons parler à janvier, nous allons parler à février, nous allons parler à mars, nous allons parler à avril, nous allons parler à... Parce que la Bible dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu, et rien n'était fait sans la parole. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, la parole, on dit, et le semeur, il sème la parole. La parole est une semence. Nous allons semer en 2016, nous allons semer des paroles, nous allons prophétiser sur le premier mois jusqu'au 12e mois de l'année. Et en même temps, nous allons consacrer le mois, l'année 2017 au Seigneur. Et nous allons prophétiser les bonnes choses. Que la grâce de Dieu repose sur vous. On dit Amen. Amen.